Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Lodi d'enveloppe que Foxy Lady m'a envoyée. C'est un échange qu'elle m'avait demandé de faire. Donc, du coup, voilà. J'espère que ouais, vous allez bien voir. Je me suis mise un peu dans le noir parce qu'avec la chaleur. Donc, elle a une chaîne, Foxy Lady. Donc voilà, merci beaucoup Corinne. Ta Lodide, vraiment, elle est super, elle est vraiment magnifique, elle est vraiment très belle. Donc, elle est en couleur rouge et j'adore. C'est vraiment, j'aime bien, elle a mis un petit ange là, ange coco, des petites strass, hein, c'est vraiment très joli. Donc voilà, on la regardera en mieux après. Donc dedans, elle m'a mis des découpes. Donc voilà. Hop. Donc il y a des papillons. Super joli, hein. Donc, hop. Donc, je te remercie beaucoup pour cet envoi. Joyeux anniversaire. Moi, ma Lodide est partie hier. Donc, tu la recevras, je pense, dans la semaine. La semaine prochaine. Je sais pas pourquoi ça s'arrête, mais mon téléphone là. Donc là, hop, album, on écrit. Je vais peut-être pas tout. Après, il y a beaucoup de papillons. Peut-être pas tout sortir. Ah, des aiguilles avec du fil. C'est chouette, ça. Il me semble hein, que c'est très joli. Donc, voilà. Puis, le reste, bon, ben, voilà, il y a beaucoup de papillons. Donc, voilà. Hop. Dedans, elle a mis des stickers, je dirais plutôt des tatous, là. Donc, papillons et rose. Je crois que j'ai mis, voilà. À l'endroit, c'est mieux. Elle m'a mis du thé avec un joli papillon là qui brille. C'est super joli. Sur une grande trombone. Donc, elle m'a mis du thé noir pur Ceylon. Donc, je l'ai goûté. Ça, je connais le jaune, mais celui-là, thé noir, non, je connais pas. Donc, avec mon fils, on est des grands buveurs de thé, donc on goûtera. Ensuite, elle m'a fait une petite pochette comme ça. Je trouve ça super sympa. C'est vraiment... Et c'est tout dans mes couleurs, du rouge, du violet. Et ça, c'est une bonne idée de fermer... dedans comme ça, c'est super chouette. Et donc, dedans, il y a deux ATC. Donc, j'aime bien cette façon de présenter les ATC. Ça change, des petites pochettes et voilà. Donc, la première ATC, c'est un papillon, de la dentelle avec des demi-perles, des tampons. C'est vraiment joli. Donc, c'est carpédien, c'est la 2 sur 2. Donc, elle a été faite le 1er juillet. Moi, des ATC, j'en fais pas beaucoup. C'est pas tellement... je sais pas, c'est pas mon truc. Et là, elle a fait la même. Donc là, c'est la 1 sur 2. Donc, voilà. Sauf qu'elle a changé sa façon de mettre le ruban, les dentelles, le papillon. C'est très joli. Sur un fond rouge comme ça, j'aime beaucoup.
rouge et noir, là, c'est, je trouve que ça rend super bien. Donc voilà. Alors ensuite, là, ah oui, oulala, Prima, est-ce que c'est toi qui les as fait? Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment très belles, ces fleurs. Alors, je crois que c'est qu'elle les a achetées, hein, Prima. C'est super, super joli. Elles sont trop, trop belles. C'est en tissu. Ouais, c'est vraiment... Merci beaucoup parce qu'elles sont magnifiques. Elles sont vraiment super belles. Donc là, ma carte, que j'aurais dû peut-être dû commencer par là. Hein. Donc voilà, donc toujours sur le thème papillon, des fleurs, c'est une belle journée. Là, c'est marqué en 3D, de la dentelle, tout ce que j'aime en fait. Le papillon, il y a rajouté du tissu brillant là-dessus. C'est super, c'est vraiment très joli. Hein. Vraiment, j'espère que toi aussi, tu seras contente de mon envoi. Des strass rouges. Alors ça, en plus, j'en avais pas. Donc, comme ça, c'est super chouette. Et c'est des grands, en plus. C'est vraiment bien. Et derrière, il y a encore des choses. Donc, voilà. Comme ça, on regardera. Donc, elle m'a mis des petits sujets en bois. Donc, petite cage à oiseaux. Et des petites fleurs en étain, comme ça, c'est super joli. J'aime beaucoup cette présentation-là. Ça fait 2-3 fois que je vois des présentations comme ça. Et finalement, je trouve ça bien plus joli que d'y mettre dans les petits sachets en cabochon. Donc, du coup, voilà. Là, elle a des fleurs qu'elle m'a fait, elle. Elles sont trop, trop belles. Elles sont vraies, elles sont... Voilà. Sur le ton rouge, j'aime beaucoup. Donc, elles sont montées en 3D, c'est sur de la mousse 3D, c'est vraiment joli. Elles sont vraiment très belles. Et puis là, elle a mis une fleur en tissu par-dessus. C'est une bonne idée. Donc, voilà. Et elle m'a fait un moulin à vent. Donc, j'aime... Ouais, c'est vraiment chouette. Donc, voilà. Donc, je vous représente la l'audide, voilà, une fois vide. Donc, ça, ange coco, alors ça, j'adore, avec le petit cupidon. Des fleurs, des découpes qu'elle a dû, qu'elle a pailleté un petit peu. Donc, du coup, voilà. Là, du papier avec des papillons, des fleurs. Je trouve que c'est super chouette. Et donc là, derrière, vive les vacances. En mode vacances. Voilà. Elle a fait là en mode vacances tout en stylo qui brille. C'est super chouette. Une chaise, un petit verre à cocktail, un petit parasol. C'est vraiment joli. Moi, j'aime beaucoup comme ça en rouge. Ça change du violet. Je ne suis pas déçue. Donc, voilà. Donc, Corinne, je te remercie beaucoup. J'espère que la mienne te plaira. En tout cas, toi, tout ce que tu m'as préparé, ça m'a beaucoup plu. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.